Bonjour et bienvenue à vous tous, mes chers amis Balance, pour votre guidance générale de ce mois de mai. Nous allons dès à présent voir ce qui va donc se passer pour vous avec un petit message du petit oracle de l'intuition que voici. Voilà, on va le mettre ici de côté et on va voir ce qui va donc se produire pour vous. Je demande à l'univers, à la source. La première lame qui vient de sauter. Un message, une guidance pour tous les balances ici présents et les ascendants pour ce mois de mai. Voilà. Que va-t-il donc se passer pour vous? Eh bien, c'est très simple. On vous indique ici d'expérimenter quelque chose de nouveau, de vous ancrer davantage et de prendre votre vie en main. C'est dans l'ombre de votre vie que vous allez arriver à obtenir de merveilleux résultats. Comme vous le voyez ici, la personne expérimente, pratique de nouvelles choses et fait de son mieux pour tout simplement arriver à faire quelque chose de magique dans sa vie. La deuxième lame, tout simplement, c'est de vous détendre. C'est ce que l'on appelle le cycle de progression. Quand vous êtes dans la solitude vous permet de vous purifier. Votre cœur, votre âme, mais surtout votre esprit. Votre esprit est libre de penser comme il veut, d'attirer l'amour, l'abondance et la prospérité autour de soi en permanence. Donc cette lame, elle vous indique de vous détendre, de vous relaxer, de prendre soin de votre vie parce qu'elle est limitée et précieuse. Bien sûr, il va falloir pour ça affirmer ta croissance et surtout exprimer aux autres ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à t'affirmer et dire non à beaucoup de personnes pour te dire oui, pour te prioriser. Parce que c'est très important. Comment veux-tu redonner aux autres ce que tu n'as pas? Comprends bien ceci. Donc il va falloir que tu affirmes ta croissance et que petit à petit, tu t'améliores. Donc on va voir ensemble comment on va faire pour ce mois de mai. Déjà, on a ici la lame de la méditation pour créer. Pour créer un espace nouveau, il te faut mettre en place une sorte de vide à l'intérieur de ton cerveau. Calmer cette agitation mentale va te permettre de libérer ta créativité et de réaliser des choses magiques. Voilà, c'est ce que l'on appelle l'âme d'artiste, de cartomancien, d'auteur, d'artiste ou tout simplement de poètes, de personnes qui veulent véritablement attirer à eux des sensations extrasensorielles. Bien sûr, la vie est faite de haut et de bas, et si tu ne sèmes pas de merveilleuses graines en permanence, rien ne va se passer. Il ne faut pas que tu espères que toutes tes graines poussent. Il y en a certaines qui vont germer énormément. D'autres qui prendront même pas un centimètre. Et d'autres qui sortiront jamais de terre. Semer des graines, c'est vivre pleinement ta vie
en faisant de ton mieux. Donc pour ce mois de mai, ici on t'indique qu'il va falloir décupler ta force et ta résilience. Ta résilience, c'est ce mental qu'il faut mettre en application à chaque fois que la procrastination arrive. Je ne peux pas, je n'ai pas envie, je le ferai plus tard. J'en suis pas capable, j'ai le syndrome de l'imposteur. Les gens ne me valoriseront pas, les gens ne croiront pas en moi, etc., etc. Toutes ces forces antérieures qui te rabaissent, ne les écoute plus, d'accord? Il va falloir que tu acceptes ta destinée. Accepter que certaines personnes n'aiment pas tes propos, n'aiment pas ce que tu fais. Accepter aussi que tu réussis. Accepter aussi d'être rejeté par certaines personnes pour être accepté par d'autres. Il te faut accepter ta vie telle qu'elle est. Bien sûr, n'oublie pas de prendre du recul et de toujours, toujours aller chercher au plus profond de toi le trésor enfoui. C'est en te reconnectant à toi-même que tu trouveras les ressources nécessaires. Pour finir, ici, pour vous, mes chers amis Balance, c'est l'équilibre total. Plus tu seras enraciné dans le sol, ancré et centré, plus tu recevras l'énergie et tu verras que tout autour de toi, tout ira bien. Pour vous remercier, une petite lame de l'oracle, du petit oracle de l'intuition qui vous dit que vous avez la permission. Vous avez la possibilité de passer à l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Alors, tente l'aventure et tu verras que de belles choses vont arriver. À demain. Et puis, si tu veux aller plus loin, bah, tu peux t'offrir mon livre sur la foi illimitée ou tout simplement me retrouver pour un tirage sentimental que je t'offre dès demain. Donc, pour ne pas le rater, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner. À demain!